طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الذي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alors les enfants, cette invocation, ce dhikr, il est très très important. Et nous le disons tous les matins, trois fois, et tous les soirs, trois fois. Et celui qui dit cela les matins, et celui qui dit cela les soirs, il sera protégé, préservé par Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah, azza wa jal, te protégera contre toutes les mauvaises choses. Alors, aujourd'hui, on va parler ou on va se poser une question très importante. Parce que beaucoup d'enfants se posent la question, nous posent la question, et c'est des choses que l'on voit ici et là. Est-ce que les dinosaures ont existé ? Alors, qui dit oui? Je connais les dinosaures, par cœur, ils ont existé. Qui dit non? Ah, Rani n'est pas d'accord avec toi. Alors, on va expliquer cette question, mais revenez, suivez un petit peu le raisonnement que l'on va donner. Souvenez-vous, on a dit qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a créé la terre en combien de jours? Deux. Non. Même pas une seconde. En 6 jours. Alors, Allah, il est capable de créer la terre de la manière dont il le veut, de la rapidité dont il le veut. Mais il a choisi par sa sagesse qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a créé la terre en 6 jours. C'est-à-dire en 6 périodes différentes. D'accord? En 6 périodes différentes. Et on sait, donc la première chose que l'on sait, c'est que les animaux ont été créés avant les êtres humains. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut affirmer. Les poissons, les animaux, toutes les animaux, Allah Azza wa Jal, il a créé les animaux avant l'être humain. Et ça, c'est une chose importante à savoir. C'est que nous, les êtres humains, premièrement, on n'est pas la seule créature. Il y a des autres créatures qu'Allah il a créées, comme les animaux, comme les plantes, comme les anges, comme les djinns, comme le ciel, comme la terre, comme le soleil, comme la lune, comme les insectes. Ça veut dire que nous, les enfants, ça c'est important de comprendre, que le monde n'a pas commencé, il n'a pas débuté avec la création de Adam, avant, avec la création de l'être humain, non. Parce que avant Adam et avant Hawa, répétez Adam, Hawa, avant Adam et avant Hawa, il y avait déjà la terre. La terre, elle existait déjà. Il y avait déjà les djinns, il y avait déjà les anges, il y avait des animaux avant la création de Adam, alayhi salam.
Alors maintenant, au niveau des dinosaures. Puisque les dinosaures, lorsque l'on lit des livres ou on regarde des reportages, c'est quelque chose de fascinant, ça peut nous fasciner. Premièrement, on sait qu'il y a des archéologues. Vous savez, c'est quoi un archéologue? C'est quoi, Elias? Un archéologue, c'est quelqu'un qui fouille la terre pour trouver des traces de vie qui ont été disparues. Alors là, tu vas nous répéter, mais plus doucement, parce que là, t'as tellement parlé, viens nous répéter ici, mets-toi juste derrière, ici. Et voilà, tu peux nous expliquer, mais doucement, vas-y, on t'écoute. Un archéologue est quelqu'un qui fouille dans la terre pour retrouver des traces disparues d'il y a longtemps. Très très bien, Ahsante. Mon... Alors, un archéologue, c'est quelqu'un qui va... Comme il dit, il y a ça, je ne vais rien rajouter. Il va fouiller dans la terre, il va chercher pour trouver des traces de vie, d'accord, des choses, des personnes, des animaux qui ont vécu, des fossiles, etc., qui ont vécu avant nous, d'accord. Ils vont le regarder s'il y a des restes d'ossements, d'espèces vivantes, etc., qui ont vécu avant nous. Et ils ont trouvé des fossiles, des ossements d'une créature qu'ils ne connaissaient pas. Alors, cette créature, premièrement, elle avait l'air magnifique, très impressionnante. Et ça, en grec, on dit, si je ne me trompe pas, dinos ou dénos. Ouais, dénos, c'est ça? Ilias, le spécialiste Ilias, il va me corriger. On dit comment? Dénos. Deinos, ça veut dire quoi Deinos? Deinos, c'est quelque chose de terrible, de grand, de magnifique. Et il y a un autre mot. Ils ont donné un autre mot pour décrire cela. C'est quoi? Sauros. Sauros, ça veut dire quoi? C'est un reptile en grec. C'est un reptile. C'est comme un lézard. Vous connaissez, vous savez c'est quoi un lézard? Le lézard. D'accord. Alors, ils ont mis ces deux mots, Deinos et Sauros, qui nous donnent Deinosaur, dinosaure. C'est comme un reptile, un lézard géant, terrible, magnifique. D'accord. Alors, nous, le musulman, il regarde. Est-ce que le Coran, la Sunna nous a parlé de ces dinosaures-là? Alors non, on ne les trouve pas dans le Coran, on ne les trouve pas dans la Sunna. Ça veut dire que on ne peut pas affirmer quand est-ce qu'ils ont vécu. Certains archéologues pensent qu'ils ont vécu il y a des millions d'années. D'accord? Donc, certains, comme il dit Inès, certains pensent qu'ils sont morts il y a 65 millions d'années. Alors nous, le musulman, premièrement, il ne peut pas affirmer clairement, on ne sait pas en réalité, quand est-ce qu'ils sont morts et quand est-ce qu'ils ont vécu. Par contre, comme il y a eu des ossements qui ont été trouvés, on ne peut pas nier, on ne peut pas dire non, ça n'existait pas. Nous, Allah Azza wa Jal ne nous en a pas fait mention. Par contre, en réalité, il n'y a rien d'exceptionnel dans un dinosaure. Parce que, Ilyes, peut-être tu vas nous le dire, le plus grand dinosaure, c'est combien de mètres? Le plus grand dinosaure, c'est l'argentinosaure. L'argentinosaure, c'est ça? Il vit en Argentine. Il vivait en Argentine, si. Un mais qui sait... Qui sait combien de mètres il fait? 120 mètres. Non. Le plus grand dinosaure, les scientifiques, ils n'ont pas dit que c'était 120 mètres. Oui, Abdallah? Non. Certains, ils ont dit que le plus grand dinosaure, il faisait 26 mètres, 27 mètres. Certains, ils ont même dépassé un petit peu plus de 30 mètres. À la kulli hal, imagine, le plus grand dinosaure, il faisait 27 mètres, 30 mètres, même 32 ou 33 mètres. Par contre... Si le
Nous, on regarde. Est-ce qu'il y a des créatures qui faisaient plus de 30 mètres? Non. Eh bien, oui. Si. Adam, alayhi salam. Vous savez que le prophète Adam, alayhi salam, il faisait environ 33 mètres. Donc, en réalité, nous, ça nous impressionne pas, ou c'est pas quelque chose de une grande créature. On sait que Adam, le premier des êtres humains, il faisait plus de 30 mètres. D'accord? Donc, il est possible que les animaux de son époque, ou les animaux qui étaient avant lui, étaient de grands animaux. D'accord? Par contre, est-ce qu'on peut les classifier en tyrannosaures, en argentinosaures, ceci, cela, etc. On ne peut rien affirmer par rapport à cela. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que ils ne vivent plus à notre époque. Et à côté, on ne renie pas. On ne va pas dire non, les dinosaures, ils n'ont pas existé. D'accord? Puisque ce genre d'animaux... Voilà, il y a des ossements, il y a des fossiles qui ont été trouvés. Par contre, est-ce qu'ils sont comme ceci ou comme cela? Le musulman ne se prononce pas par rapport à cela. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris pour la réponse à cette question? D'accord? طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.